Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session, 9e session de Kingdoms of Amalur, les royaumes d'Amalur Recalling. Dans la session précédente, nous avons fait quelques quêtes secondaires qui ne sont maintenant plus là. On en a également récupéré pas mal. Au passage, on a encore 7. Et nous avons exploré 3 zones, du moins 2 zones et demie, on va dire. À savoir la partie est et la partie ouest des plaines désolées, ou de la plaine désolée, avec maintenant tout un tas de petits lieux où on peut se fast travel. On a également visité toutes les villes, enfin les villages, les quelques hameaux et campements qui se situaient par ici. Et ici, nous avons débloqué Kalartozai et le chariot de Tam dans cette zone-là. Ici, j'imagine que c'est le chemin qui mène là-bas. Donc on a juste la partie nord à explorer encore, avec à l'intérieur une mission également, Veil le Souriant, dont il faut qu'on s'occupe. Donc on va aller checker tout ça. Et voilà, pas de soucis, comme on dit, aucun problème. Juste que je trouve un chemin qui mène vers le nord. Ça m'a l'air plutôt pas mal, là. Plutôt pas mal parti. Au niveau de l'inventaire, on est à 33 sur 80. Ok, ça marche. On a de quoi tenir un minimum. Akrudok. Nice. Ah, j'avais la destinée. Complètement oublié. Faut que j'y pense pour la prochaine fois. Destinée. Ah, on a de l'habitation là-bas. Ok, ça c'est cool. On avait également un truc par ici. Ok. Ah, la quête avec le souriant se passe dans un donjon. Ok, très bien. Zambatik. Cette bûche est à moi. On va débloquer le donjon. Ça nous fera un nouveau point de fast travel. Voyage rapide, hein, bien sûr, en français. Mine de la chance. J'imagine que cette habitation doit également être intéressante. Soit on peut la visiter, soit on peut y voyager. Soit les deux. Cabane de Derfel. Ok, de la bluette. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la bluette. Oh. Ouf. Je pensais que je les avais tout eu. Nice. En tout cas, le calme plat, hein, cet endroit. Mais pas avec un orchestre en trombe. Il fait de la bonne grosse musique, là. Pas du tout. Ça, c'est la caravane au-dessus, ok. Bon, la cabane. Je peux m'y téléporter très probablement, mais bon. La visiter maintenant, tant qu'à faire. Pourquoi point? Ah, c'est ici. Qu'y a-t-il ? Bonjour. Dites-moi, ça vous arrive souvent de faire éruption chez les gens sans y être... Très souvent. Et ça se finit bien. La majorité du temps. Non, parce que bon, la plupart des gens n'aiment pas que des étrangers viennent fouiner chez eux. Ça mérite d'être dit. Je ne suis pas comme tout le monde, il est vrai. Quand j'y pense, cela fait trop longtemps que je n'ai pas profité de la conversation d'un étranger. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une excellente question. Je vais avoir besoin d'y réfléchir. Ce qui vous laisse assez de temps pour nous rapporter de quoi nous rafraîchir. Ah bah super. Avez-vous entendu parler du brocaïré royal? C'est un nectar très rare du Nord. Allez donc fureter à la mine de la chance. Trouvez une bouteille de brocaïré royal que nous pourrons partager. Ensuite, nous parlerons. Eh bah super. Vous voulez me connaître? Il n'y a rien de passionnant à dire, je vous assure. D'accord. Génial. Adieu. Bah la tienne, mec. J'imagine qu'on peut pas piller là-bas non plus. Ah si, ici c'est permis. Et il y a une porte secrète. Document déchiré, ça ne sert à rien. Il y avait une porte secrète quelque part. Ça fait wouon. Ah mince alors, ça fait wouon. Et cette sorcellerie. Genre j'ai découvert la porte secrète mais je peux pas l'activer. Elle s'est pas mise sur ma carte. Passe un truc.
passe un truc ici. Il a complètement une salle au trésor sur le côté. J'ai tout vu. Bon. Ce sera dans les mines de la chance, donc il faudra qu'on chope de la boisson dans la même mine où il faut qu'on s'occupe d'un brigand. Donc ça c'est bon. On va le checker là-bas. Ok, nice. Ah. La version sans le son. On n'a pas arrêté de se plaindre que le bruitage était trop fort. Du coup, on nous les a enlevés. C'est une solution. Il perd autre chose, hein, mais en soi, c'est une solution. C'est une réponse directe au fait que les bruitages étaient trop forts pour les finishes. Oui, bon, ok, d'accord. Admettons. Ah, il y a une pierre là-bas. Pierre des histoires. Bonjour les amis. Oh, il est tellement rapide. Il était tout bonnement incroyable. Comme des trucs là. Ah, ça doit être derrière la colonne. Bonjour. Nice. Alors. Yes. Petit trou. Petit coffre. On se met bien. La pierre des histoires. Oui. Alors la prophétesse revint vers son peuple, qui, satisfait de ses largesses, se complaisait sur ses terres glacées. Et Tyrine leur parla, dans sa robe de soie tissée de la main. Oh, les pompes. Je vous salue. Les amis sont pour moi. Je viens vous transmettre les paroles de la déesse à son peuple. Les terres étoilées sous son influence. Elle nous montre la voie. Et c'est vers le levant que nous allons. Car il n'y a point de beauté dans ces vallées gelées. Nos cousins, troublés par notre grâce. Nous irons à l'autre bout de la rue et nous serons des deux parts heureux. Très difficile. J'ai 50% de chance en le forçant. Je pense que j'ai plus de chance de ne pas perdre mon crochet qu'en essayant. Yes! C'est complètement passé. Ok. Donc on a un petit camp, c'était mignon. Et là après ça monte vers cette zone là. D'accord. Bon bah cool. On s'occupera d'explorer ensuite la zone d'Akata, la côte de Tvi, hein, Tvili, dans le Galafort, tout ça. Plus tard, pour le moment, on va faire une petite pause Kate. Je vais voir mon inventaire. 46. Ok, ça c'est cool. Allons à la mine de la chance. On rappelle que là-bas, on est censé s'occuper d'un brigand. Et également récupérer une bouteille de vin ou je ne sais quoi pour le mec dans la cabane. Rien de bien particulier. Brigand en libertaire, hein, bien sûr. Mince. J'ai loupé le coffre. Alors après, on est tellement blindé de thunes qu'en réalité, on s'en fiche un peu. Mais sait-on jamais, là, ça appartenait à un set, bon. Mais de la bonne volonté aussi, quoi. Touti, touti, ah. Bon, un piège là-bas.
Bon, apparemment il était désactivé. Quel est donc ce gros bruit? Mais comment il court lui? Alors je sais qu'il court sa race. Ah bah non. Qu'est-ce qu'il aura pris? Tu vas t'accourir en mode non. C'est pas moi qui ai fait ça quand même. Il va y avoir un event en même temps. Il doit se passer quelque chose de louche. Bonjour les amis. Oh la vache, les dégâts qu'il m'a mis. J'ai souffert. Je peux enchaîner avec ça. Nice. Oh non, j'arrive pas à faire les 100% aujourd'hui. Ça fait deux fois qu'on fait les 75. Terrible. Bonjour. C'est bon ou il y a encore des renforts là? Ok, c'est le contrat. Ah oui, c'est un petit contrat. Je les engage, hein. Bon, d'habitude, je fais une quête après l'autre, mais là, c'est vrai qu'on a la mission de choper du vin qui est directement dans ce lieu-là. La vache, non, mais il y a des problèmes ici. Et directement dans celui-là, on vient donc sur la quête, on sait très bien ce qui se passe. Par contre, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dans cette mine, mais il se passe des choses. Bonjour! Il court en mode affolé à chaque fois. Moi aussi je vais le faire. Hein. Non mais oh. Moi aussi j'ai un arc. Je sais très bien le bander. Un coffre. À moitié noyé. Ok, il y a un petit coffre par là. Bah dis donc, bonne ambiance. Comme s'il y avait des espèces de... Soit un géant qui marchait au-dessus, soit des espèces de travaux dans cette mine. Genre c'est un bruit régulier de boum, boum. Bizarre.
Du bon vin. Le broker royal. Ok, énorme. On se casse. Drôle d'endroit. C'est vrai que d'habitude on a des donjons relativement statiques où soit la porte est fermée, soit on fait les trucs dedans et puis ça s'arrête là quoi. Y'a pas beaucoup de donjons où il se passe des choses pendant qu'on est en train de les faire. Alors là des éboulements, des bruits un peu bizarres qui peuvent avoir différentes significations, enfin... C'est étrange. Genre ça rappelle les... Donjon vraiment scénarisé qu'on avait fait avec la quête principale au tout début, quoi. Peut-être que c'est un donjon qu'on va refaire avec la quête principale, hein. Qui sait. Une engagée de l'ordre ? Qu'est-ce qui vous amène à Helmgard ? Aven le Souriant est mort. Ce libertaire qui se cachait dans la mine de la chance. Ah bah, il s'y cache plus vraiment, non. Un travail digne des engagés. Et voilà votre or. Alors, au revoir. La thune. On va faire une petite pause inventaire au passage. Alors, c'est pas du tout ça, c'est plutôt ça. Ah oui. Au niveau de la quête, les travaux de Derfel. Nanana, c'est du whisky, pardon, c'est pas du vin. Alors, on équipe celle-là parce que c'est celle dans laquelle on a déjà avancé. Je vais également faire. Hop, j'ai une potion comme ça. Alors, consommable. Non, associé. Voilà, on va les mettre là. À la place des mineurs. Et les mineurs, maintenant, on les vendra. Donc. Amplificateur de dégâts, amplificateur d'expérience supérieure, breuvage de piste Rosef, résistance physique, réduit tous les dégâts, ok. Force de guerrier, blablabla. Ensuite, ça c'est la potion supérieure, rideau d'acier supérieur. Ok, les objets. Le brocart, ça on en a besoin. Les brassards, je pourrais les vendre ici parce que j'ai l'impression que je ne retournerai jamais les vendre au bon mec, mais on va essayer d'y penser. Tout ça c'est bon. Les armes. Alors, sceptre on s'en fiche, épée longue on s'en fiche, espadon on s'en fiche. Bâton on s'en fiche, lame faille on s'en fiche, et dague on s'en fiche. Chakram. 90 au lieu de 100, mais après il fait 10. Ouais, mais il fait moins de dégâts, mais il donne de la vie en plus. Quoi. C'est mignon. Et ici, 96 pour l'arc, énorme. Grelfort. Ensuite. C'est puissance. Les deux là sont pas bons. Ça c'est moins bon. Après c'est un 7, blabla, Osef. Lui il a un peu plus de trucs. Lui il a encore plus de trucs. Il a une cavité armure. Ok, ça c'est... Ah non, ça c'est de la puissance. Tant pour moi. J'ai été eu. Ok. Ok. Très bien. Très bien, très bien. On va commencer par vendre. J'ai tout ce dont un soldat a besoin. Plus ou moins. Ok. 90 000 balles. Sauf des pommeaux de dague. Et des cuillères à soupe. Revenez nous voir quand nous aurons plus de stock. Ensuite, qu'est-ce que vous avez encore quatre ? Les réparations, préparer pour 3000 balles. Bien, au revoir. Et ça, c'est pas un truc de pierre de sage, donc je ne peux pas l'utiliser pour sortir. Il faut que je sortisse. Bienvenue. Nous voulons sortir. Et on va vite aller à la maison. On va sortir à la maison. C'est chez moi ici. Ok, c'est en bas.
Bah c'est par là. Est-ce que j'ai déjà de quoi sortir visiblement? Oui, c'est cool. Hop. Ça fait plaisir. Bonus en plus. Très bien. Ah, c'est vrai que maintenant je vois les pierres aussi. J'avais oublié ça. Je vois les pierres. Je pourrais faire les pierres. Rapidement. Ça me filera un bonus.